Alors bonjour Verena. Bonjour. Donc merci de nous accorder un peu de ton temps. Donc ici tu exposes en fait deux tableaux qui sont Brume céleste et une aurore boréale. Tout à fait. D'accord. Alors la première question c'est quel a été ton parcours artistique en fait ? Mon parcours artistique sur les 10 dernières années était très marqué par le fait de voir loin. La profondeur, la ligne de fuite, voire la mer, l'horizon. Donc, il y a une dizaine d'années de cela, pour ceux qui me connaissent, ils ont pu découvrir des toiles orange et bleue, encore très figuratifs, avec des maisons, des chemins, des arbres. Petit à petit, j'ai quitté et abandonné le sud de la France, la Provence, pour aller vers l'océan Atlantique. Les œuvres qui représentaient l'océan Atlantique sont devenues plus discrètes en termes de tonalité et de couleur. Le orange est devenu plus pâle, s'amenait plus vers des jaunes. Les maisons ont disparu. Tous les éléments figuratifs commençaient tout doucement à quitter la scène. D'accord, donc tu es passé de quelque chose de très figuratif et ton trajet, ça a été d'effacer tout ce qui était figuratif, paysage, et pour te limiter dans les œuvres qui sont là, en tout cas, dans des lignes et dans des impressions, parce qu'on est avec Brume céleste, on est presque dans de l'impressionnisme vraiment abstrait. Oui, aujourd'hui, les œuvres sont très abstraites. Alors, ce qui est resté, et le réel fil conducteur, c'est que quelque part, j'ai toujours parcouru le long de l'océan. Donc, l'océan Atlantique pour aller en Norvège. Après, je me suis retrouvée avec des œuvres Soleil de minuit, des œuvres estivales, où le jour éternel est présent. Pour finalement aller vers la série Nordlicht, Aurore boréale, et les œuvres d'art Aurore boréale se constituent d'environ 80-90 œuvres, qui sont des petites et des grandes œuvres. Certaines d'entre elles font 2 mètres sur 2 mètres. D'accord. Et ça, c'est toute cette série-là. Si j'ai bien compris, tu es allé jusqu'en Norvège. Oui. Et donc, tu as vu ces aurores et tu essayes de les retranscrire avec ton talent sur les toiles. Alors, ce que je cherche à retranscrire, c'est la magie. D'accord. C'est le plaisir de voir des choses qui scintillent, qui sont reposantes, qui nous permettent de rêver. D'accord. Alors, sur la première partie des œuvres de la série Nordlicht, il y a les aurores boréales qui sont représentées en vert. Donc, la plupart des aurores boréales sont vertes. Et il y a toujours l'élément architectural qui est en rouge, qui peut être la sphère du globe céleste, terrestre, pardon, du Cap Nord. On peut y retrouver... Il y a une indication de lieu sur tes... Architectural, tout à fait, sur les éléments rouges. On peut y retrouver le musée aquatique de Troms, qui est représenté sous une forme abstraite dans l'œuvre, et petit à petit, donc même le rouge et le vert a quitté la toile pour laisser de la place au noir et blanc. D'accord. Donc c'est vraiment l'émotion, la recherche de l'émotion, de ce qu'on peut ressentir. D'accord. Quand on se retrouve dans cet univers que je cherche à pouvoir partager. D'accord. En même temps, je souhaite que le spectateur puisse se faire sa propre image et son propre voyage. Donc, je souhaite ne pas le figer dans au sein chose de mes œuvres. Voilà, qu'il soit pas figé, mais qu'il ait quand même la liberté de choisir en fait quelle expression tu as essayé de lui donner, mais de choisir sa propre expression, de s'approprier ta toile en fait. Tout à fait, et que le spectateur puisse se retrouver ou dans des moments joyeux ou des moments mélancoliques ou tout autre scénario.
mais qui puisse ressentir ses propres émotions. D'accord. Et quand tu les as vues, ces aurores boréales, en fait, tu as fait un croquis, parce qu'elles durent à peu près une heure et demie. Toutes mes toiles se fichent dans ma tête. D'accord. Elles se construisent souvent entre 3, 4, 5 heures du matin. Ok. Et elles sont exprimées et peintes des fois 2, 3, 4 ans par la suite. D'accord. Des fois. C'est un mûrissement ? Tu laisses mûrir Alors, le mûrissement se formule entre le moment où je vois les choses et entre le moment où les images se créent dans ma tête. Une fois que les images se créent dans ma tête, il se peut des fois que je fasse des tout petits croquis, mais de rien du tout, ouais, qui sont de la taille d'un timbre postal. Et puis, par la suite, les choses sont formulées, des fois, 2-3 ans plus tard. D'accord. Et de ces voyages, de ces visions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire « j'ai vu une aurore boréale », toi, en fait, la première fois que tu l'as vue, est-ce que tu te rappelles, enfin, quelle émotion t'as ressentie ? Alors, je ne m'accrocherai pas sur l'aurore boréale aujourd'hui. Mmh. Tout simplement, rien que de voir un coucher ou un lever de soleil, mmh, ne serait-ce que chez nous, ce sont des moments magiques. D'accord. Il faut pouvoir retenir les moments magiques, peu importe à quel moment et là où ils se passent. Mmh. Des fois, on passe vraiment à côté de choses. Qui sont à portée de main, qui sont à portée de yeux. Tout à fait, okay, tout à fait. Et c'est cela qui permet de construire le tout. Ok, donc tu essayes de nous redonner ce côté magique des choses simples. Oui. C'est à peu près ça. Oui. Ok. Bon, en tout cas, Verena, merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. On te retrouve donc dans les liens de la description et on te dit à bientôt et voilà. À très bientôt. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.